tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir comment planter des bulbes d'oxalis en pot pour la culture en intérieur. J'ai deux types de bulbes, donc je suis contente. Je vais vous montrer comment on plante ça. On a deux types de bulbes. On va voir un peu tout ce qu'il faut. On va commencer par le matériel. Mais avant tout, je veux vous parler de la période de plantation. Le top du top, c'est de le faire en février, avant le réveil des oxalis, avant la reprise végétative. Là, je le fais un peu tard, on est en avril, c'est un petit peu dommage. Ils n'auront peut-être pas le temps d'avoir reconstitué des réserves d'ici à l'automne pour la période de repos. Voilà, bon, vous pouvez toujours les planter un peu plus tard. L'idée après, c'est juste de ne pas les mettre au repos trop tôt. Le matériel, pour résumer, c'est tout simple. Il vous faut un pot, du terreau et puis bien entendu des bulbes. On va rentrer un peu plus dans le détail. Au niveau du pot, je prends de la terre cuite, mais je cultive aussi des oxalis dans des pots en plastique. Et ça fonctionne plutôt bien. La terre cuite, l'avantage, c'est que le terreau va s'assécher plus vite. Et comme ce sont des bulbes, on peut toujours avoir peur que ça pourrisse, donc c'est pas mal. Mais j'ai remarqué que mes oxalis ont quand même d'assez grands besoins en eau, d'assez importants besoins en eau. Et donc, des fois, le terreau sèche trop vite. Donc, j'ai envie de dire que ça va être suivant vous, si vous avez la main lourde ou pas sur l'arrosage, et suivant les conditions de votre intérieur. S'il y fait bien chaud, peut-être qu'un pot en plastique permettra de garder l'humidité là où ce n'est pas nécessaire, dans un intérieur un petit peu plus frais et humide. Le terreau. Alors, dans l'idéal aussi, il nous faut un terreau assez drainant. Donc, je vous conseille d'utiliser du terreau plant d'intérieur ou du terreau universel avec un petit peu de sable que vous ajoutez pour le rendre drainant. Mais je cultive aussi des oxalis simplement dans du terreau plant d'intérieur et ça fonctionne plutôt bien du moment que j'ai pas la main trop lourde sur les arrosages, surtout à l'automne, à l'intersaison. Une autre solution, si vous ne voulez pas acheter un paquet de sable mais que vous voulez un terreau plus drainant, c'est de mélanger du terreau plante d'intérieur avec du terreau pour cactées et succulentes. Ça fait le job. On a fait le tour pour le matériel, donc je ne vais pas m'étaler plus, on va passer à la suite, la plantation des bulbes, c'est ce qui nous intéresse pour l'instant. On commence. Comme j'ai un pot en terre cuite, il va falloir que je mette un petit caillou, non pas pour boucher complètement le fond, mais juste pour éviter au terreau de sortir par le trou. Donc je mets un petit caillou à cheval, mais ça n'empêche pas l'eau de s'écouler. Je ne vais pas faire de couche de drainage, c'est-à-dire pas de billes d'argile au fond de mon pot, tout simplement parce que j'arrose toujours mes oxalis sur la grille de l'évier en les laissant bien s'égoutter. Donc je préfère garder de la place pour avoir plus de terreau pour les racines. Mais si vous arrosez dans la coupelle ou le cache-pot, je vous conseille de mettre une petite couche de drainage. Je commence à mettre du terreau au fond de mon pot en sachant que nos petits bulbes, on va les planter environ à 3 fois leur hauteur de profondeur. Là, on a environ 2 cm. On va planter cela environ à 6 cm. J'ai mis mon terreau, il me reste bien mes 6 cm, donc je tasse un petit peu et je vais venir placer mes bulbes. Alors ceux-là sont très faciles, vous voyez, on a la pointe. En dessous, on a souvent quelques petites racines qui nous indiquent bien que c'est le dessous du bulbe. Donc on va le planter comme ça, la pointe vers le haut, sinon ça ne va pas fonctionner. Éventuellement, si vous avez vraiment un doute, plantez-le latéralement, puisque ça pourra toujours remonter, mais si vous le mettez à l'envers, là, ça va être compliqué. Donc, je vais venir poser mes bulbes. Je les espace un petit peu, mais pas trop. J'espère qu'ils vont avoir la place de se développer. Je ne veux pas mettre un pot trop grand non plus. Là, je pense qu'ils peuvent encore se développer. Ensuite, c'est tout simple. Je vais venir les recouvrir avec mon terreau, donc doucement pour ne pas les renverser. J'identifie mes bulbes parce que jusqu'à ce qu'ils sortent et parfois jusqu'à ce qu'ils fleurissent, eh bien on ne sait pas de quoi il s'agit, donc je vais mettre tout de suite une petite étiquette. Voilà, ici elle ne devrait pas poser de soucis. Ensuite, on va passer à la plantation des autres bulbes et après, je vous explique comment on fait pour les faire sortir. Donc là, ce sont d'autres bulbes avec une forme un petit peu spécifique. Vous voyez, ils sont plus allongés. Alors toujours, déjà on les plante en hauteur et en général, on a une petite pointe là, hein, vous voyez. Elle se voit quand même bien. Là, j'ai la chance de voir encore des morceaux de petites pousses. Donc je sais que je vais les planter dans ce sens-là. Je réitère les mêmes opérations que pour mes autres bulbes, donc du terreau, pas de couche de drainage parce que je gère mes arrosages avec un bon égouttage, mais si vous souhaitez en mettre une, allez-y. Alors je vais venir placer mes petits bulbes, donc
Ceux-là, comme ils sont bien pointus, j'arrive à les planter un petit peu avant de les recouvrir, comme ça ils tiennent mieux. Je les espace un petit peu pour leur laisser la marge, la place de grossir. Et ça me fera une potée plus harmonieuse quand ils seront sortis. Pour finaliser la plantation des bulbes, je viens faire un petit arrosage assez léger parce qu'on ne veut pas non plus faire pourrir les bulbes. Je vais maintenant placer mes pots à un emplacement lumineux à l'intérieur. On peut sortir les oxalis ensuite à partir du mois de mai si on le souhaite, si on ne veut pas les garder en intérieur. Mais pour que les bulbes percent, je vous conseille de les laisser dedans. Et ensuite, vous aurez quelques premières pousses qui vont arriver et puis une plante qui va se développer de plus en plus. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres astuces pour planter les bulbes d'Oxalis. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne, c'est encore mieux. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, mardi ou vendredi à 18h.